Je vous propose de commencer notre réunion. Je vous salue toutes et tous et je salue également les Fougeraises et les Fougerais qui nous écoutent ce soir par l'intermédiaire d'Internet. Je vais procéder à la liste des membres présents. Donc, je suis bien là. Éric Besson est présent, Diana Lefebvre aussi, Christophe Hardy également, Patricia Rowe aussi, Mathieu Milizet également. Evelyne Gauthier-Lebail a donné pouvoir à Patricia Rowe, Serge Boudet est là, Isabelle Collet est absente, Jean-Christian Boursier est présent, Maria Carré présente, Jean-Claude Rowe également, Patrick Manceau aussi, Patricia Desanneaux également, Jocelyne de Sensé aussi, Catherine du Châtelet aussi, Hugues Berthelot également, Hugues, bonsoir, Anthony Franbeuf n'est pas là, pas encore. Alice Lebret a donné pouvoir à Christophe Hardy. Vanessa Gauthier est présente. Aurélie Boulanger aussi. Émilie Masson aussi. Alison Durand également. Arnaud Bridier a donné pouvoir à Alexis Rabault. Alexis est présent. Ah oui, je t'ai vu à droite. Solène Delaunay n'est pas encore arrivée. Isabelle Bière est présente. Antoine Madec aussi. Sylvain Bourgeois également, Hélène Mocard aussi, Anthony Hue également, Elsa Lafaye également, Virginie Dorsan aussi, et Maria Le Tène également. Je vais faire part d'un certain nombre d'événements. Ah oui, je dois désigner un secrétaire de séance et je propose Alexis Rabault. Voilà, merci beaucoup d'accepter cette mission. Je vais vous faire part de deux mariages. Le 2 septembre 2023 de Margot Blin de la Direction des services techniques et de l'environnement et le 9 septembre de Jean-Baptiste Dubos de la Direction des services techniques et de l'environnement. Je présente aux époux et à leur famille tous nos voeux de bonheur. Je fais part également du décès le 29 juin de Didier Prioul, mari de Christine Prioul de la Direction éducation et enfance. Et le 18 juillet 2023 de Nicolas Maillet, maire de Clotilde Bouguenec, de la Direction des services techniques et de l'environnement. J'adresse à leur famille nos sincères condoléances. Nous avons adressé le procès-verbal de notre séance du 29 juin. Pas d'observation. Oui, monsieur Madec. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais juste revenir sur un petit point. Vous aviez mentionné lors du dernier conseil municipal, après ma question, parler du remplacement de monsieur Brichet au conseil municipal. Et donc, vous avez dit que vous n'aviez pas eu le temps nécessaire. Et donc, juste, on s'étonnait qu'il ne soit pas à l'ordre du jour aujourd'hui, après 3 mois. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que... Alors. Vous connaissez les dispositions qu'on est amené à prendre conformément au code des collectivités locales. Comme je vous l'avais dit, on avait reçu la lettre du préfet acceptant la démission de M. Brichet. J'ai pris contact avec la candidate qui se trouve sur la liste juste après la dernière élue et elle a demandé un temps de réflexion et elle m'a répondu qu'en raison de ses activités professionnelles et personnelles, elle ne pouvait pas répondre. Donc dans ces cas-là, une fois que j'ai reçu la réponse de sa part, j'ai adressé aussi un courrier au candidat qui suit sur la liste et il avait demandé un temps de réflexion et nous avons reçu sa réponse positive il y a 2 jours. Donc l'ordre du jour était envoyé, vous comprenez que je ne pouvais pas l'inscrire cette fois-ci, mais nous l'accueillerons lors de notre prochaine réunion. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Nous avons 2 questions orales à propos desquelles il n'y aura pas de débat, mais vous connaissez notre position sur ce plan-là. Je vous propose d'aborder... l'ordre du jour. Et le
premier point relatif, c'est moi qui dois le présenter, effectivement, à une décision modificative. Ce sont des opérations, comme on dit, d'ordre, hein, puisque pour ce qui concerne le budget principal, on avait eu l'occasion de passer un certain nombre d'écritures, mais à un moment donné, on constatait qu'il y avait un petit déséquilibre, et dans ces cas-là, eh bien, d'autres écritures doivent être passées, mais qui ne modifient pas du tout les aspects budgétaires. Pour ce qui concerne l'investissement, vous voyez, un montant de 530 000 euros en recettes et également le même montant en dépenses. En réalité, on transfère de l'article études en cours à travaux les sommes correspondantes pour pouvoir bénéficier du remboursement de la TVA. Nous avons reçu une avance de la région pour le pôle d'échange multimodal de 213 000 euros. Bon. Et nous sommes amenés à modifier notre autorisation de programme concernant la restauration du château. On a besoin d'inscrire 213 000 euros de plus au titre de l'année 2023, ce qui fera que pour 2024, le montant sera naturellement un peu plus faible. Donc voilà les éléments d'explication relatifs à cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Pour le budget de l'eau, on n'a pas inscrit suffisamment de crédits au titre du fonctionnement, notamment pour payer les admissions en non-valeur et les créances atteintes. Et on vous propose de rajouter 10 000 euros. Pas de problème, tout le monde est d'accord, merci à vous. Ensuite, là, on vous propose de déposer un dossier de demande de subvention auprès de l'État, d'une part pour la rénovation du parc du liminaire d'éclairage. Vous voyez qu'on a prévu de remplacer 488 points lumineux qui représentent 11% du parc, ce qui fait qu'une fois ces travaux réalisés, nous devrions avoir 20% à peu près du parc qui soit constitué de LED. Et évidemment, privilégier plutôt les ampoules qui sont énergivores dans cette opération de rénovation. Le coût estimé est de 457 000 euros et nous demandons une subvention de 274 000. Deuxième point, vous savez que nous menons un certain nombre d'actions visant à désimperméabiliser les sols. Nous en avons mené une à Paron, qui se trouve à proximité des terrains de tennis, et puis également une opération que vous pouvez visiter à proximité du cinéma. C'est que périodiquement, lorsqu'il y avait de gros orages, certaines salles du cinéma étaient inondées. Donc, avec ce dispositif de nous, de jardin de puits, on favorise l'infiltration et l'écoulement des eaux. Et c'est un chantier de 28 842 euros hors taxes pour lequel nous demandons une subvention de 20 189 euros. Et le troisième dossier, nous avons mené, vous le savez, un certain nombre d'opérations de remplacement de lampes dans un certain nombre de salles, mais pour d'autres, parce que le dispositif est assez ancien ou parce qu'il s'agit de dispositifs très spécifiques comme les pylônes d'éclairage qui éclairent les terrains de sport, nous pensons qu'il est indispensable de faire appel à un maître d'œuvre qui puisse nous accompagner dans le remplacement des éclairages existants, l'amélioration du confort d'usage, l'amélioration du pilotage et la télégestion, même si déjà nous avons mené des opérations à ce titre, et puis au bout du bout, c'est notre volonté de réduire la consommation d'électricité. Les bâtiments concernés vous sont indiqués. On a effectué le remplacement des ampoules et en particulier dans la salle Justice Becker. Le montant
de la dépense relative à la maîtrise d'œuvre est estimée à 33 250 euros et nous demandons une subvention de 50%. Voilà. Pas de difficulté. Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Nous avons juste deux petites interrogations. Oui. Donc, la rénovation du parc de luminaires de l'éclairage public par le remplacement des systèmes moins énergivores rentre bien sûr dans une démarche à laquelle nous souscrivons, au même titre que la demande de subvention qui est faite. Nous voulons juste profiter de cette délibération pour que vous puissiez nous donner un peu la tendance des consommations énergétiques, gaz et électricité, sur ce dernier trimestre 2023. Alors, pour rappel, vous annonciez un objectif de baisse de 40% de la consommation par rapport à 2021 pour cette année 2023. Donc ça, c'est la première interrogation. Et deuxième interrogation, ça concerne la désimperméabilisation des sols. Vous évoquez d'autres projets à l'étude, notamment par la création de nous. Quels sont donc ces prochains sites éventuellement concernés? Merci. Bon, sur le premier point, je vous avais indiqué quel était le bilan à la fin de l'année 2022, et sachant que nous avions engagé les opérations essentiellement les plus importantes à partir du mois de mai ou du mois de juin, et si ma mémoire est bonne, au niveau du gaz, nous étions à moins 33% par rapport à l'année 2021. Au niveau de l'éclairage public, on était à moins 20%. Par contre, sur les éclairages dans les bâtiments, nous n'avons lancé les opérations qu'à partir du mois de décembre. Et bon, la réduction était tout à fait limitée. Je crois qu'elle était autour de 5% si ma mémoire est bonne. Donc, nous avons depuis mené un certain nombre d'actions. Nous ferons probablement un bilan à 6 mois, c'est-à-dire pour juin 2023, mais ça suppose des études un peu plus précises, donc je pense que je l'aurai un peu plus tard et on sera en capacité de vous répondre. On est dans des phases d'adaptation, sachant que, en particulier, si on veut rapprocher nos consommations du coût, et donc des factures, la chose n'est pas si évidente parce qu'il y a des décalages dû au fait qu'à un moment donné, le relevé des consommations s'effectue et que la facturation demande un peu plus de temps. Mais vous voyez, on est dans cette logique de suivre avec attention les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais il ne paraît pas une bonne solution de faire tous les trimestres, compte tenu des éléments que je viens de vous dire. Sur les nous, est-ce que tu Alors, veux répondre ? Bonsoir. Sur les nous, donc effectivement, là, la demande de subvention, elle relève sur les nous qui ont été faites autour du cinéma. À l'état actuel, je ne peux pas vous dire exactement lesquels sont envisagés, mais par exemple, on veut travailler sur ce système de nous, sur l'ensemble de nos projets. Et donc, on pourra, sur ces actions précises, pouvoir... Oui, il y en a deux, peut-être, ouais, qu'on peut, mais tu connais bien. En particulier, les nous qu'on va créer près de Justice Péquer, la suite de l'inondation. Ah oui, c'est celle-là. Ah, il y a celle-là. Oui. Et puis, également, on en fera une au SIAP. Oui, aussi, en fait, le traitement des eaux pluviales, en fait, on va partir être exemplaire et on aura justement la mise en œuvre systématique à chaque fois qu'on aura des projets de nous ou de zones de rétention des eaux pluviales sur des terrains. Et nous aurons une délibération sur ce sujet-là, oui, pour les eaux, ou décembre, oui, sur la réglementation et notre politique en matière d'eau pluviale. Voilà, je vous... Pardon, oui. 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 Donc ces crédits sont évidemment une bonne chose de la part de l'État quand on voit la rapidité de l'accélération du changement climatique. Juste des petites interrogations sur ce qui concerne l'éclairage public, qui est en effet une bonne cible. On se posait la question d'un potentiel passage directement à l'aide, c'est tout à fait juste, mais est-ce que ce ne serait pas possible, dans certains secteurs très piétons notamment, de passer à des détecteurs de mouvement qui pourraient permettre d'allumer l'éclairage public? De nombreux fougerets et fougeraises nous ont sollicités sur ces questions-là, notamment cet hiver, et
Vous n'êtes pas sans savoir que l'hiver va revenir. Je pense qu'ils vous ont sollicité aussi, avec notamment de nombreuses personnes qui abandonnent leur trajet parce qu'ils sont... c'est même pas une question de sécurité, c'est vraiment, vous avez vu comme nous, hein, c'est vraiment très compliqué, notamment dans les rues qui sont en travaux l'hiver, on voit rien du tout. Donc soit ils abandonnent leur trajet ou ils reprennent leur voiture, ce qui n'est pas le but non plus. En vélo ou à pied, c'est vraiment très difficile de pouvoir se déplacer la nuit à Fougères. Nous craignons que ce soit toujours les plus précaires qui doivent renoncer à leur déplacement. Et donc on se demandait... si la ville ne pourrait pas, à minima, rencontrer les habitants pour les informer, peut-être les entendre, peut-être qu'ils ont des solutions, mais en tout cas, je pense que l'hiver dernier, c'était un climat géopolitique très tendu. Malheureusement, il le sera sans doute cet hiver aussi. Mais si ça venait à s'installer dans la durée, je pense qu'il va falloir pouvoir discuter, informer et, je pense, trouver de nouvelles solutions. Les LED sont une solution d'économie d'énergie, mais vous n'allez pas revoir l'amplitude horaire d'allumage. Et notamment sur les grandes avenues, beaucoup de questions nous reviennent sur l'avenue Mitterrand qui est éteinte. Alors qu'il y a des passages fréquents. Donc évidemment, ce qu'on demande, ça demande un budget plus important que ce que vous sollicitez ici. Mais sur le long terme, puisqu'on est amené à durer sur du long terme, est-ce que ce ne serait pas la solution innovante et le faire tout de suite, c'est-à-dire passer sur là où il y a beaucoup de passages, de passer à des... des détecteurs de mouvement. Voilà. Je vais laisser la parole à Daniel Lefebvre, mais avant, je voulais dire, il y a urgence. Vous venez de le dire. Et donc, il nous appartient de choisir les solutions qui permettent de répondre à cette urgence climatique et qui sont les plus performantes. Le deuxième aspect, c'est que toutes les villes aujourd'hui, j'allais dire même les communes, ont fait le même choix que le nôtre. Toutes. Et elles sont confrontées aux mêmes difficultés. Troisième élément, alors contrairement à vous, nous sommes extrêmement attentifs et en relation avec nos concitoyens, mais je n'ai pas, pour ce qui me concerne, et mes collègues ne manqueraient pas de le dire, si nous avions des remontées. Alors qu'il y ait dans votre environnement peut-être des gens qui soient extrêmement sensibles, je peux le comprendre, mais la grande majorité des gens que nous rencontrons mesure tout l'intérêt de l'action que nous menons, à la fois pour la biodiversité, pour la réduction des émissions à effet de serre, et en particulier, je vous signale, je n'ai pas donné le résultat, mais à la fin de l'année 2022, les travaux que nous avons menés ont permis de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez qu'on est... me semble-t-il, sur le bon chemin que vous préconisez. Ouais, alors, vous évoquez les détecteurs. Sur la Bretagne, il y a déjà quelques communes qui ont essayé les détecteurs, mais il faut savoir qu'à chaque fois, ça a été sur une rue, parce que c'est un investissement extrêmement lourd. Et ça va être, la plupart du temps, ça a été opté sur les rues avec des grandes fréquentations, ces mêmes rues où nous, on a fait le choix de rester allumés. Et pas dans, effectivement, devant chaque habitation. C'est impossible à l'échelle d'une ville d'être sur des détecteurs. Et le problème du détecteur, et c'est pour ça que beaucoup de communes reviennent en arrière, c'est comme c'est de l'allumage-extinction, en fait, au niveau énergétique, on ne gagne rien. C'est-à-dire que même cette efficacité, puisqu'il y a ce temps d'allumage, même avec du LED, qui permet, en fait, l'usure des LED est plus court. Et puis ça ne se fait pas dans le cadre d'un claquement de doigts. Non. Et en ce qui concerne les retours des habitants, effectivement, on a eu plutôt des retours parfois de personnes juste devant chez eux qui manquaient, pas forcément sur les déplacements. Je pense qu'il y a eu des habitudes qui se sont développées sur les déplacements en vélo et même sur, par exemple, en vélo, effectivement, maintenant, de prendre l'habitude l'été, oui, de circuler en vélo avec un bon éclairage. Mais je pense que beaucoup de Fougerais se sont équipés parce que ce qui posait problème, c'est effectivement de pouvoir se déplacer si on n'a pas un éclairage adapté. Mais en tout cas, on n'a eu pas tant de retours que cela. Et plutôt beaucoup de personnes aussi qui nous ont encouragés à poursuivre les actions sur l'éclairage pour la réduction de nos gaz à effet de serre.
Jean-Christian Boursier. Oui, simplement, juste dans les points que vous évoquiez, notamment le passage clouté qui s'éclaire, donc on est d'accord, hein, l'extinction des feux se fait très tard le soir. On ne déresponsabilise pas non plus le piéton qui voit arriver de loin les choses et qui donc fait attention aussi pour traverser. Je dis juste ça comme ça parce que maintenant, on voudrait faire amener une garantie de sécurité intégrale. Vous ne traversez pas quand vous vous mettez en danger, quoi. Je veux dire simplement, hein, sur ce point-là, voilà, évidemment, on est vraiment très lent. C'était un point. Pour ce qui est d'échanger avec les gens et d'expliquer, sur le volet sécurité, puisque la première réaction des gens, c'est au départ de certaines personnes, pas global, même si Madame Dorsan dira que toutes les femmes qu'elle rencontre ne sortent plus le soir dans Fougères, être confrontée au noir, c'est toujours le même problème. Néanmoins, et on peut le constater sur l'ensemble des villes, qu'elles soient administrées par des gens de notre côté, à l'opposé ou quoi que ce soit, et est confirmée par la police, on a pu le voir ensemble en réunion, il n'y a pas une recrudescence de problèmes parce qu'il fait noir. Voilà, c'était juste des petits points qu'il faut rappeler. Oui. Merci. Je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Demande de garantie d'emprunt, Éric Besson. Pardon. Monsieur le maire, c'est voilà. Très bien. Donc, demande de garantie d'emprunt, oui, c'est facile. Vous savez, sur le site des terrasses de Bonavis, c'est à côté de ces rues Albert Durand, c'est visible du CCAS. Voilà, donc il y a une garantie d'emprunt. On a voté. Comment? Oui. Ah oui, oui, on a voté. Bon, ben oui. Ah oui. J'ai mis le temps pourtant. Hein. Mais vous étiez comme moi, vous étiez tellement passionné qu'on n'a pas vu le temps passer. Voilà, donc, bon, je reviens quand même à la garantie d'emprunt de 1 400 000. Voilà, et Stacy avait déjà fait des travaux sur cette résidence, et j'avais dit, c'est très bien ce qu'ils font. Voilà, ben oui, on améliore les logements, c'est une bonne chose. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Rapport d'évaluation... Non, c'est Pintrie. Pintrie, pardon, excusez-moi. Oui, 5 rue de la Pintrie. Alors, bien écoutez, je vous propose de la présenter. C'est une belle opération qui est en cours, hein, dont le coût est de 1 105 000 euros, et pour lesquels, en particulier, il vous est proposé d'attribuer une subvention d'équipement de 300 000 euros à Fougères Habitat. Vous voyez que ce sont des opérations particulièrement lourdes, mais il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à un bailleur social et de verser, pour ce qui nous concerne, une subvention qui est quand même d'un bon niveau et qui va reconstituer un peu le bâti à ce niveau du 5 rue de la Pintrie. Pas de problème. Qui est contre? Je ne prends pas part au vote, monsieur le maire. Monsieur Besson ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Rapport d'évaluation des charges. Nous avons eu l'occasion, me semble-t-il, déjà d'en parler. La proposition de Fougères agglomération consiste à transférer sur le territoire des communes de l'ancienne communauté du pays de Saint-Aubin-du-Cormier la petite enfance et l'enfance et jeunesse. Et pour ce qui concerne l'ancienne communauté de Louvigné, la partie jeunesse centre social. Donc la procédure est toujours la même. Il s'agit en particulier d'évaluer les montants que nous devons transférer pour que les communes qui en viennent responsables puissent assurer dans des conditions satisfaisantes l'ensemble des services. Dans la note, on vous indique la méthode qui a été retenue. Pour le coût de fonctionnement des services, on reprend les 3 derniers comptes administratifs. Pour les dépenses de personnel, la dernière année. Et puis, pour ce qui concerne les investissements, nous prenons en compte en particulier la durée d'amortissement. Tous ces montants ont été examinés attentivement
au niveau de Fougères agglomération, comme par les communes, vous vous en doutez, si bien que un accord unanime a eu lieu sur la proposition qui est faite de transférer donc les compétences que je viens d'indiquer et d'attribuer à la commune de Rives-du-Couesnon 251 000 euros, à Saint-Ouen-des-Alleux 99 773 et à Louvigné-du-Désert 128 334 euros. Voilà, pas de questions. Je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, c'est Patricia Desanneaux pour... Oui, monsieur le maire, chers collègues. Depuis le 8 septembre, des villages du Haut-Atlas sont rayés de la carte. Oui, Caraba aussi. C'est pas la même chose. Des bâtiments de la médina de Marrakech sont touchés, nombreux morts, de nombreuses personnes dénuées de tout à cause d'un séisme d'intensité jamais enregistré au Maroc. Deux jours après, le cyclone Daniel provoque des milliers de morts et disparus par la rupture de deux barrages à Derna en Libye. Des élans de solidarité s'organisent. Il vous est donc proposé, suite à l'avis favorable de la commission Finances, Ressources humaines et Organisation des services, de voter une subvention exceptionnelle de 4 000 euros destinée à soutenir matériellement l'action de solidarité internationale au Maroc à l'association citée Unifrance, qui alimentera le fonds de solidarité pour les collectivités touchées par cette catastrophe, et de voter une subvention exceptionnelle de 4 000 euros destinée à soutenir matériellement l'action de solidarité internationale en Libye et de verser cette somme au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, FACECO, que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a activé afin de fédérer les initiatives et l'élan de solidarité. Merci. Merci. Voilà. Donc, oui, Madame Mokar. Merci. Le groupe 20 000 maires pour Fougères se félicite que notre commune participe à cet élan de solidarité avec les peuples marocains et libyens qui vivent des moments effroyables. Nous aimerions que cette solidarité en acte puisse également s'exprimer auprès des personnes exilées à Fougères. Mettre à disposition des logements pour ces familles avec enfants à la rue, cela se fait déjà dans plusieurs communes d'Ille-et-Vilaine, notamment à Bru, commune de 20 000 habitants, comme Fougères. Je sais, monsieur le maire, que vous avez déjà préparé votre réponse puisque nous avons interpellé sur ce sujet sous forme de questions. J'imagine que vous allez nous dire que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, comme nous l'a dit monsieur Macron dernièrement, que vous soutenez. Vous allez aussi peut-être nous parler d'appel d'air, comme si traverser un continent où la mer Méditerranée, au péril de sa vie, était une décision toute simple. Fuir son pays pour offrir à ses enfants et à soi-même un meilleur environnement et une meilleure qualité de vie s'est fait de tout temps. Alors que le gouvernement nous prépare une loi raciste et xénophobe avec un durcissement du droit d'asile, à notre échelle, à Fougères, réfléchissons ensemble comment remettre l'hospitalité au cœur de nos actions politiques. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je veux bien juste intervenir. Sachant que j'ai une... Oui, j'ai bien, non, mais j'ai bien compris. Mais comme on a une actualité récente dans nos instances et qu'il y avait un CCAS pas plus tard que la semaine dernière, c'est un sujet qui était abordé par le conseil d'administration du CCAS. Le sujet, entre autres, des personnes sans-abri, ça a été abordé avec l'ensemble des partenaires. Et c'est un sujet qu'on abordera au CCAS. Donc je trouve qu'il est logique que dans nos compétences action sociale, on puisse évoquer ces sujets dans ces instances-là. Maintenant, je veux bien qu'on en fasse un débat de politique générale. La vitrine est belle, mais n'empêche que l'action, elle est au quotidien. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, naturellement. Eh bien, on y répondra tout à l'heure. Je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Les boutiques tests, oui, Isabelle Collet n'étant pas là, vous connaissez, c'est l'application d'une politique que nous avons mise en œuvre depuis il y a plusieurs années, qui est favorable au soutien au commerce, à l'installation de commerce dans,
dans la ville. Vous avez pris connaissance des conditions que nous proposons et il vous est proposé de retenir en particulier la candidature de Mme Toutain Anne-Sophie, hein, qui a une activité de prêt-à-porter 11 boulevard Maréchal Leclerc, pour une aide de la ville de 1584 €. La candidature de Pierrick Brasselet, qui crée un atelier du cadre, 37 rue de la Forêt, pour un montant de 1 743 €. Madame Garnier Aurélie, qui intervient dans le design, l'architecture et décoration d'intérieur. Et nous proposons de lui attribuer 1 980 €. Madame Johanna Wilner, qui là aussi intervient dans la revente et la création de vêtements, 12 rue de la Forêt, 1 980 €. Et Madame Magali Blandel, qui installe un dépôt de seconde main dans le domaine du textile, 20 rue Nationale. Et l'aide que nous pourrions lui accorder est de 1 980 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Oui, la taxe sur les friches commerciales. Nous avons eu là aussi l'occasion de présenter ce type de délibération au cours des 2-3 dernières années. L'objectif, vous le savez, c'est d'inciter les propriétaires à mettre sur le marché des commerces, des locaux commerciaux de qualité. Et donc, nous vous proposons de reprendre les taux que nous avions retenus l'année dernière pour la première année et la deuxième année, à savoir 10% et 15%, et pour la troisième année, de passer de 20% à 30%. Nous vous avons adressé récemment un correctif concernant cette délibération. Voilà, donc nous vous proposons de voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Adhésion à la convention de participation prévoyance, Maria Carré. Donc les employeurs publics territoriaux pouvaient jusqu'alors contribuer au financement des garanties de protection sociale. Donc cette participation deviendra obligatoire pour le risque prévoyance à partir du 1er janvier 2025, selon un minimum de 7 € bruts mensuels, et pour le risque santé à partir du 1er janvier 2026, pour un minimum de 15 € bruts. Pour mémoire, la municipalité a déjà adopté depuis 2013 le principe d'une participation financière à la protection santé, donc à la mutuelle, de ses agents pour les contrats labellisés. Donc ça faisait 25 € bruts par mois. Donc là, monsieur le maire a décidé depuis mars 2023 de revaloriser de 7 € bruts par mois le régime indemnitaire des agents de la catégorie C qui ont souscrit une prévoyance par l'intermédiaire du contrat collectif proposé par le COS. Donc l'information nous a fait connaître en dernier sa décision de résilier ce contrat au 31-12-2023. Alors en ce qui concerne la prévoyance, le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine a souhaité également anticiper le décret du 20 avril 2022 en proposant aux collectivités qui le souhaitent de conclure une convention de participation départementale à effet au 1er janvier 2024. On propose aux agents une offre assurantielle à un prix compétitif grâce à la mutualisation. Donc, la municipalité a délégué au centre de gestion de l'Ille-et-Vilaine la procédure de mise en concurrence pour le compte de la ville et elle l'a mandatée pour conclure son contrat aux meilleures conditions en vue d'une prise d'effet au 1er janvier 2024. Donc, la consultation du CDG a été faite et la procédure de mise en concurrence a attribué à l'assureur Territoria Mutuelle et ça a été retenu par l'intermédiaire du courtier en assurance alternative Croutage. Donc les agents n'auront pas l'obligation de souscrire à ce contrat de prévoyance, il est à l'adhésion facultative. Il leur offre néanmoins la possibilité de disposer à côté de janvier 2024 une sécurité en cas d'arrêt de travail et de perte de salaire, avec des garanties de base obligatoires, ainsi que des garanties facultatives. Le taux de cotisation est fixe, à 1,60, éventuellement majoré suivant l'option retenue par l'agent. Les montants de participation pour l'employeur pourraient être réévalués selon l'accord national,
et selon les négociations de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. Donc, au vu de tout cela, il vous est proposé d'adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine et Territoria Mutuelle à partir du 1er janvier 2024 et d'accorder une participation financière de 7 euros bruts par mois à la couverture de la cotisation assurée par les agents qui adhéreront au contrat collectif d'assurance. Voilà. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vous continuez, Maria. Oui. La plupart des collectivités connaissent des difficultés de recrutement. La tension est forte dans certains secteurs, comme dans le privé. Le CDG 35 s'apprête à lancer une étude de faisabilité d'une école départementale des métiers territoriaux, d'examiner plusieurs pistes possibles. Donc, le CDG propose à toutes les grandes collectivités d'Ille-et-Vilaine de participer à ce projet. Pour notre collectivité, la contribution serait de l'ordre de 2 000 euros. Il vous est donc proposé de soutenir cette initiative et de ma présence au comité de pilotage. Merci. Oui, Elsa Lafaille. Oui. La question des salaires n'est malheureusement pas, n'apparaît pas dans vos propositions, alors qu'elle est à notre sens centrale. Mis à part cela, beaucoup d'interrogations. Mais on est sur l'école des métiers. Ouais, bah, oui, vous dites que des difficultés de recrutement. Oui, oui, oui. Ah, oui, moi, d'accord. Je oui, pense d'accord. que la question des salaires oui, oui, peut être cool. une des réponses. Oui, oui. Difficultés de recrutement. Oui. Voilà. Mis à part cela, beaucoup d'interrogations. Le lieu de l'école qui a son importance. Je pense que c'est trop tôt, mais ce serait la question d'une ouverture à quelle date, en fait, à peu près. Ça semble assez... je sais bien qu'on n'est que comité de pilotage, mais ça semble assez flou. L'intérêt de cette école, ce serait de travailler en coopération avec toutes les communes du département. Ça, c'est une bonne chose. Mais notre territoire demeure tout de même... éloigné, relativement mal relié à la métropole, d'où l'intérêt de savoir où est-ce qu'elle serait implantée, cette école, notamment pour les questions de stage dont il est question dans la note. Donc voilà, ça fait beaucoup de questions, sans être sûr que les difficultés de recrutement ne perdurent pas, puisque, à notre sens, il ne s'agit pas seulement d'une question de formation. Alors, Maria, on n'en est pas rendu là, c'est une étude de faisabilité. Donc, pour l'instant, le lieu, il faut attendre un petit peu que les choses évoluent, qu'on y travaille. Et je pense que le CDG va affiner les choses. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à travailler ensemble pour savoir où on va aboutir à un moment donné. J'entends bien que pour les stages, il faut faciliter les choses. Mais il faut d'abord savoir où l'on va et comment on fait. Et voilà. Et savoir sur quoi on s'oriente. Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Activité piscine des écoles Fougeresse. Patricia Roux. Oui, bonsoir. Une délibération récurrente chaque année, puisque depuis le 1er janvier 2017, Fougères Agglomération, propriétaire et gestionnaire de l'Aquasis, permet à l'ensemble des écoles publiques et privées de Fougères de bénéficier de la gratuité des activités piscines. La prise en charge du coût de ces activités étant répartie entre la ville de Fougères et Fougères Agglomération. Depuis 2017, Fougères Agglomération, en collaboration avec l'inspection académique, propose des cycles de 10 séances par an du CP au CM2 dans le cursus d'un élève. Et pour le financement, ce qui est proposé, c'est d'avoir un coût reste à charge pour la ville de Fougères de 715 euros pour 10 séances et donc par classe. Donc soit 71,50 euros par séance pour une classe. Pour rappel, le coût en fait, était le même l'année dernière, donc en fait, on ne votera pas une augmentation. Le transport représente environ 50% du coût de la natation scolaire et qui reste organisé et donc pris en charge intégralement par Fougères Agglomération. Il vous est donc proposé, après avis favorable de la Commission, d'accepter le tarif forfaitaire de 715 euros pour 10 séances par classe, soit 71,50 euros la séance par classe pour l'année 2023-2024. Merci. Question ? Il n'y en a pas. Oui, Elsa Lafaille. Non, bah, j'ai été déjà intervenue sur ce point sur le fait qu'il y a quelques années, vous le savez, hein, c'était à partir de la grande section et plus tôt on sait se débrouiller dans l'eau, plus on évite les noyades.
Il y a aussi un souci. Je reconnais et je salue que ce soit pris en charge par Fougères Agglomération et par la ville. C'est une très bonne chose. Ça relève... le savoir nager relève des compétences, à mon sens, de l'éducation nationale, et on est en train de creuser des écarts selon des villes où des communes maintiennent le savoir nager et les sorties à la piscine à partir de la grande section, quand d'autres choisissent de le faire à partir du CP. Il y a des tas de bonnes raisons. Est-ce que cette question, je sais bien que c'était une question, c'était la question d'avoir des accompagnateurs qui doivent être plus nombreux en grande section, est-ce que cette question pourrait-elle revenir au sein des conseils d'école pour en informer les parents? On sait très bien que ce sont des cohortes et que les parents aussi évoluent pour pouvoir revoir, que l'éducation nationale aussi prenne ses responsabilités, puisse former des parents pour pouvoir accompagner leurs enfants dès la grande section, comme ça, c'est le cas dans certaines communes. Alors, ce choix avait été fait notamment parce qu'effectivement, quand on emmène des classes maternelles en séance de natation, il faut des accompagnateurs formés, donc des parents, et que malgré tout, beaucoup de séances étaient, alors beaucoup, en tout cas une partie des séances n'étaient pas assurées faute de parents. Donc c'est vrai que plutôt que d'avoir des séances qui vont peut-être se tenir, le choix est fait de se dire qu'à partir du CP, du coup, ils n'ont plus besoin de ces accompagnants-là. Donc les 10 séances sont fermes. Et il vaut peut-être mieux qu'un enfant, effectivement, ait 10 séances fermes plutôt que d'en avoir 6, même en grande section, et puis après, ne pas avoir le nombre de séances. Donc le choix a été fait, effectivement, de vouloir aller vers l'assurance que ces séances seront bien données aux enfants et qu'ils auront 50 séances sur le niveau primaire. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui... souviens bien, doit être pris en compte, c'est que il faut répondre dans les mêmes conditions à l'ensemble du territoire. Du territoire de Fougères Agglomération, ce qui est parfaitement logique. Serge. Oui, j'entends la question. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas prendre les choses un peu dans l'autre sens au regard du programme qui a été mis en place et depuis de nombreuses années et avant Fougères Agglomération à Fougères? Y a-t-il aujourd'hui dans notre territoire des enfants qui arrivent en sixième en ne sachant pas nager? Non, mais il faudrait avoir un bilan pour ça. Et quelle est la raison? Oui. Est-ce que c'est par manque de séances? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Moi, c'est pour ça que je ne sais pas s'il faut ajouter des séances. Aujourd'hui, est-ce que notre programme, qui, dans ce que j'en connais, moi, dans ce que j'ai constaté, dans le volume qui est attribué aux enfants, répond? S'il ne répond pas assez... Est-ce que c'est à cause du nombre de séances ou est-ce que c'est pour d'autres raisons individuelles? Donc c'est pour ça que ce n'est pas faire du plus pour faire du plus, c'est regarder qualitativement est-ce qu'on a atteint nos objectifs et si on ne les a pas atteints, pourquoi? Très bien. Je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Service social d'accueil des écoles maternelles, toujours Patricia. Oui, chaque année, la ville de Fougères attribue une allocation aux APEC qui organisent l'accueil des enfants dans les écoles maternelles privées. Cette année, l'école d'Ivoine demande également une subvention pour l'accueil des maternelles. Au budget 2023, la subvention annuelle pour l'accueil des jours scolaires s'établit à 46 000 euros. Et donc, il convient de répartir le solde pour l'année 2022 selon la proposition des APEC, tenant compte de leurs charges respectives et d'allouer une subvention également à l'école d'Ivoine. Donc le tableau vous est soumis ici. Donc après avis favorable de la commission, la proposition est la suivante. Donc pour 2023, il vous est proposé de verser en septembre un acompte correspondant aux deux tiers de la subvention annuelle, soit 29 240 euros répartis entre les écoles privées et 1 425 euros pour l'école d'Ivoine. Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2023. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vente de repas au centre social. Patricia, toujours. Oui, le centre social donc, a connu en février dernier un incendie touchant les locaux de la crèche Les Petits Lutins. Et pour assurer une continuité d'accueil, la maison de quartier de la Châtière avait été mise à disposition le temps des travaux de remise en état. Suite à ce déménagement, le centre social a sollicité le service de restauration municipale pour la fourniture provisoire des repas des enfants, le service de repas étant assuré par le personnel du centre social. Logistiquement, le service pouvait répondre positivement en intégrant la prestation dans les livraisons existantes de nos propres activités, du restaurant scolaire de la Châtière et de la halte de garderie municipale. Donc, il convient de définir un tarif de vente correspondant à la prestation exceptionnelle due aux circonstances. La détermination du prix peut être faite à partir du bilan analytique 2021, majoré de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Donc sur les charges de structure de cuisine centrale, on était à 103 centimes, pardon. Denrées alimentaires, 1,71 €. Charges de personnel de la cuisine centrale, 3,18 €. Et variation du coût de la vie de 9,51 %. Donc il vous est proposé de fixer le prix de vente du repas crèche exceptionnel au tarif de 6,04 €. Et donc après, avis favorable de la commission, donc ce qui vous est proposé. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je voulais adresser mes compliments au service de la ville et au centre social pour la rapidité avec laquelle ils ont apporté des réponses aux familles. J'ai reçu 2 courriers de familles qui étaient vraiment désagréables et qui me semblaient inspirés, du reste, et qui critiquaient la ville. Mais jamais, dans le courrier, on condamnait ceux qui avaient commis ces actes et qui avaient commis l'incendie. Je trouvais ça quand même un peu fort. Heureusement, ils ont adressé un courrier au sous-préfet qui, lui aussi, a rétabli la vérité sur ce plan-là. Voilà, je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Vente de repas scolaires. Oui, vente de repas scolaires à l'hôpital de jour Guillaume Régnier, donc un avenant numéro 21, puisqu'en fait, à chaque année, à l'occasion d'un avenant, on revoit le tarif. Et donc, la ville de Fougères, depuis 2002, a conclu une convention de fourniture de repas avec l'hôpital de jour, qui est donc rue Albert Durand à Fougères. Les repas sont destinés aux enfants bénéficiant de soins journaliers scolarisés dans le centre et leurs éducateurs. Pour l'année scolaire 2022-2023, le conseil municipal avait fixé le prix du repas à 6,07 €. Et donc, après avis favorable de la commission, il est proposé de fixer pour l'année scolaire 2023-2024 le prix de vente du repas à 6,43 € à l'hôpital de jour Guillaume Régnier et de conclure donc l'avenant numéro 21, la convention du 3 octobre 2002 avec le centre hospitalier Guillaume Régnier pour la fourniture de repas scolaires pour 2023-2024. Et donc, les recettes seront imputées à l'article 7067. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Ensuite, nous passons au dispositif guide asso. Christophe Hardy. Oui, bonsoir. Comme vous le savez, les associations jouent un rôle essentiel à l'échelon local comme à l'échelle nationale. Elles sont des vecteurs de solidarité entre les individus. Elles concourent à l'animation et au développement des territoires, au renforcement de la citoyenneté, de la démocratie, ainsi qu'au maintien du lien et de la cohésion sociale. Pour accompagner au mieux le mouvement associatif, l'État a initié un nouveau dispositif appelé le guide asso, dispositif de structuration et de mise en réseau des acteurs de l'accompagnement des associations. Après une expérimentation dans certaines régions, il est arrivé en Bretagne, et donc il est coordonné en Bretagne par les services de l'État, le mouvement associatif de Bretagne, la région Bretagne et la Fédération des centres sociaux. Donc vous avez les différents objectifs qui vous sont annoncés dans la délibération, de garantir un accès gratuit de proximité, renforcer les acteurs de l'accompagnement et co-construire une nouvelle stratégie territoriale. Il y a 4 labels qui ont été identifiés et donc la ville de Fougères, en partenariat avec le pôle éco-solidaire, ont donc sollicité le 2e niveau de label, le label information qui correspond à notre périmètre d'action. Et donc, nous avons eu un avis favorable de la part du comité régional d'orientation stratégique le 27 juin 2023. Et donc, nous vous proposons de contribuer et de rentrer dans ce dispositif guide asso qui va contribuer au renforcement des compétences des accompagnateurs de la vie associative locale, la maison des associations et le pôle éco-solidaire. Et donc, l'émergence d'une plus-value sur la qualité des accompagnements grâce à la mise en réseau. Voilà, donc au regard de ce double intérêt, nous vous proposons, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou son représentant à co-signer avec le pôle éco-solidaire du Pays de Fougères la charte et la convention relative au dispositif guide asso. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous propose d'adopter la délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Association Les Fougères, Mathieu Milizi. Oui, merci Monsieur le Maire. Donc, l'association Les Fougères participe à l'animation au rayonnement de la vie culturelle fougeraise, notamment pour l'organisation de la fête médiévale. Cette année, la fête médiévale des Rigeurs de Fougères s'est déroulée le 17 et 18 juin. Donc, une convention avait été signée et renouvelée lors du conseil municipal du 26 janvier 2023, permettant de définir les relations de partenariat entre la ville de Fougères et l'association. Il a été prévu que le montant de la subvention pour l'édition 2023 serait de 20 000 euros.
avec déduction de 2773 euros de reliquats déjà perçus pour l'édition 2021, soit 17 227 euros et 3 000 euros de garantie financière. Donc l'association a déjà perçu 17 227 euros de subvention et percevra une garantie financière de 3 000 euros de présentation des justificatifs. L'association aujourd'hui sollicite la ville de Fougères en raison du déficit important de la manifestation 2023 à hauteur de 11 275 euros. Donc après avis favorable unanime de la commission culture, patrimoine et économie touristique réunie en septembre 2023, il vous est proposé d'accepter l'attribution d'une subvention complémentaire d'un montant de 4 000 euros afin de résorber le déficit budgétaire de la manifestation des Richesseurs 2023. Bien. Question ? Il n'y en a pas, pas de problème pour tout le monde. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Association Espérance, chorégraphie, Mathieu, toujours. Oui, alors depuis 2017, les associations de théâtre amateur et les écoles de danse associatives peuvent solliciter une aide spécifique à la diffusion. C'était pour le spectacle du 11 février 2023. Donc l'association chorégraphie, sollicite la ville pour un montant, pour une subvention forfaitaire de 450 euros. Donc après l'avis favorable unanime de la commission culture, patrimoine, économie touristique réunie le 11 septembre 2023, il est proposé d'attribuer 450 euros à l'association Espérance Chorégraphie. Très bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Subvention sport de haut niveau, Christophe Hardy. Oui. Donc, fort de son label Ville Active et Sportive et de son label Terre de Jeux, la ville a toujours l'ambition d'accompagner toutes les formes de pratiques sportives sur son territoire. Et donc, le développement du sport de haut niveau fait partie aussi de cette ambition, parce qu'il permet à la ville de renforcer son attractivité en communiquant sur ses atouts, la proposition de spectacles sportifs de qualité à ses habitants, promotion de la qualité de ses équipements sportifs et identification de la jeunesse et renforcement du sentiment d'appartenance à un territoire. Donc nous accompagnons 3 clubs actuellement de sport collectif qui sont engagés dans des championnats de niveau national qui engendrent des budgets conséquents. Le Pitch Fougères Basket hein, qui évolue en National 2, l'Union Sportive Fougères qui évolue en National 3 en football et le Rugby Pitch Fougères donc, qui était en Fédéral 3 et qui vient de descendre en Régional. Et donc là sur cette délibération, c'est toujours celle que l'on passe au mois de septembre, c'est de voter l'attribution des acomptes qui ne détermine pas le montant total de la subvention que l'on votera lors du prochain conseil municipal, puisque les clubs, à chaque fois, ont un petit peu de mal à nous donner leur bilan financier pour le début septembre, pour que ça puisse passer en commission sport. Donc on reviendra vers vous lors du prochain conseil municipal. Sur les montants des acomptes, on vous propose de verser 23 000 euros pour le Pays de Fougères Basket, 10 000 pour l'Union Sportive Fougères et 3 500 pour le Rugby Pays de Fougères. Donc là, on reviendra vers vous au mois de novembre, mais c'est vrai que on avait pris un principe, c'est qu'un club qui descendait, on continuait de l'accompagner, mais en lissant sur 3 ans l'arrêt de la subvention ou la diminution en fonction du niveau auquel il va être à l'échelon inférieur. Donc voilà, donc 23 000, 10 000 et 3 500 pour le rugby. Merci. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. On continue avec la subvention d'équipement. Catherine Duchâtelet. Dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Fougères accompagne les associations sportives Fougères qui sont propriétaires dans leurs locaux en subventionnant à hauteur de 50% l'acquisition d'équipements dits amortissables. Il vous est ici proposé d'accorder une subvention de 2 056 euros à l'Espérance pour le remplacement de sa chaudière. Merci. Pas de problème. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. On continue avec Émilie Masson qui nous parle. Bonsoir. Subvention d'événements aussi. Donc, cette délibération concerne l'attribution des subventions événements donc pour les associations sportives. Cette subvention a pour objectif d'accompagner donc les associations sportives lorsqu'elles organisent une manifestation dite exceptionnelle. 3 associations ont déposé un dossier, donc Fougères Football Club pour l'organisation de son tournoi annuel qui s'est déroulé donc le 9 septembre 2023.
Il vous est proposé donc de verser une subvention d'un montant de 300 euros. Le badminton club du pays de Fougères a organisé le dimanche 17 septembre son trophée régional. Il est donc proposé d'attribuer 200 euros de subvention pour cet événement. Et enfin, la Fougeraise lutte contre le cancer, organisera donc Octobre Rose le 1er octobre. À cet effet, il est proposé de verser 750 euros. Ces propositions ont toutes reçu un avis favorable et unanime à la commission sport jeunesse qui s'est réunie le 12 septembre. Merci. Bien. Voilà, aussi, pas de difficultés. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, Conseil départemental de l'accès au droit, c'est Serge. Oui, donc on propose, comme chaque année, d'attribuer une subvention au Conseil départemental d'accès au droit d'Ille-et-Vilaine, une subvention à hauteur de 1635 euros. C'est une association qui est un groupement d'intérêt public qui regroupe les services, le ministère, la préfecture et des collectivités, des associations et des partenaires associés. Donc, par contre, ce que je souhaite qu'on ait, mais nos services nous demanderont à l'association, c'est d'avoir le nombre de permanences tenues à Fougères, le nombre de personnes reçues, par qui, et également quelle communication est faite pour que nos concitoyens puissent être accompagnés par cette association. Donc, je souhaite qu'on ait en complément ces éléments-là pour qu'on sache vraiment ce qu'il en est sur le plan territorial. Merci. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Sujet suivant, la charte éco-conseil de quartier. Mathieu. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, depuis mon élection en tant qu'adjoint à la démocratie participative, citoyenneté, je reprends les éco-conseils de quartier. Donc, je souhaitais à mon tour remercier Nicolas Brichet pour son investissement ces trois dernières années. Aujourd'hui, les éco-conseils de quartier redémarrent, c'est un nouveau départ. Donc, on a fait quand même sur la charte une modification majeure, notamment concernant la composition des éco-conseils de quartier. Ce qui est important de se dire aujourd'hui, c'est qu'on a rajouté les habitants volontaires. C'était pas indiqué dans la charte, et également les associations fougeraises sur lesquelles on peut s'appuyer dans nos quartiers. Nous avons également supprimé le comité de sélection qui avait lieu qu'une seule fois par an, l'objectif étant de remettre ce comité de sélection devant chaque commission, avant chaque commission, pour pouvoir valider les projets au moins une fois par mois et éviter de faire attendre aussi les habitants une année complète pour pouvoir présenter leurs projets. Donc on accélère les choses, on pourra présenter les projets une fois par mois. Également, il y aura des commissions régulières pour la validation des projets et puis évidemment pour vous informer. Et donc voilà pour les changements. Le rôle de l'adjoint à la démocratie participative et citoyenneté a été également modifié dans la charte. L'objectif, c'est que je puisse accompagner les élus délégués de quartier et les habitants à la réalisation leur projet, donc c'est un accompagnement avec les services de la ville. Il y aura également prochainement des élections, donc les élections des représentants de quartier. Nous étions engagés de le faire avant la fin 2023, pardon, je prends un peu trop d'avance. Donc ces élections auront lieu dès le mois de novembre, donc il est possible de candidater à partir du 10 octobre jusqu'au 31 octobre. Et les élections auront lieu du 14 novembre jusqu'au 17 novembre. Les moyens mis à disposition des éco-conseils de quartier de la ville. Par la ville, donc on est en recrutement pour le chargé de projet. Donc voilà, c'est en cours. Dès que le chargé de projet sera présent, on pourra démarrer. Et je pense que les éco-conseils de quartier seront constitués donc
début 2024 et nous aurons les représentants des éco-conseils de quartier avant fin 2023. Merci. Est-ce que ça suscite des questions? Oui, Madame Mocard. La participation citoyenne était, vous savez, Monsieur le maire, au cœur de notre projet municipal. C'est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à l'évolution des éco-conseils de quartier. Nous avons vu dans cette modification de charte de bonnes choses, des conseils de quartier plus inclusifs. Les habitants, les habitantes peuvent maintenant les intégrer sans projet, mais simplement pour participer à la réflexion sur leur quartier. Les associations pourront également participer à la vie de leur quartier, comme a expliqué Mathieu. On a également noté qu'un agent va être donc une chargée de mission, va être embauchée à plein temps sur la thématique de la vie citoyenne. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une certaine stabilité dans cette embauche, parce que c'est important que les services de la ville puissent vraiment s'investir sur cette mission auprès des habitants et des habitantes, pour que chaque fougeret et fougeresse puisse avoir voix au chapitre sur l'organisation de leur quartier, sur les idées pour leur quartier. Mathieu nous a dit en commission, on repart sur une demi-feuille blanche. Donc j'espère vraiment que cette feuille va être très colorée. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Juste pour... Oui, Mathieu. Je pense que cette feuille sera très colorée et je m'y engage. Mais moi, je voulais remercier Mathieu, Mélisie et nos délégués de quartier pour leur investissement, ainsi que les membres de la commission, parce qu'il y a eu unanimité, semble-t-il, sur la rédaction de cette charte. Donc, c'est un bon redépart, si j'ai bien compris, mais... Ne perdons pas de vue les initiatives qui ont été prises au cours depuis 2020 en particulier. Un certain nombre de porteurs de projets se sont manifestés et ont mis en œuvre de beaux projets. Donc il faut qu'on travaille sur ces deux orientations, comme vient de le souligner Mathieu. Je vous invite à voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vais suspendre cette réunion pour donner la parole au public si certaines personnes veulent s'exprimer. Oui. Oh, attendez, on va vous donner le micro. C'est bon. Ouais. Donc voilà, moi je me présente, je suis Monsieur Collin, j'habite dans le quartier de la Forêrie, rue Augustin-Beauverger. Dernièrement, il y a des gens du voyage qui sont venus s'installer juste derrière chez nous. Je pense que vous êtes au courant, Monsieur le maire. Oui. Hein? La mairie a fait ce qu'il fallait. Alors moi, la petite question toute simple que j'avais, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour que ça ne se reproduise pas? C'est une bonne question. Et oui. Mais et nous employons pour y répondre favorablement. Ouais. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir la décision. Et vous lisez comme moi la presse et vous pouvez constater que dans un certain nombre de villes, eh bien, les gens du voyage s'installent sur des terrains qui sont publics, voire privés. Nous, dès que nous constatons ce type d'intervention, ce type d'occupation, qui sont des occupations sauvages, hein, oui, et illégales. Immédiatement, nous faisons un constat d'huissier, enfin, nous appelons un huissier qui réalise un constat. Ensuite, on adresse ce constat à un avocat qui, à ce moment-là, va rédiger une assignation devant le juge. Et après, c'est le juge
qui décide et qui apprécie la situation. Il se trouve que, pour ce qui vous concerne, la durée, entre guillemets, d'installation de séjour des gens du voyage a été plutôt limitée. Hein, ouais. C'était à peine une Six semaine. Jours. Et lorsqu'ils ont quitté l'espace, ils l'ont nettoyé, ce qui n'est pas toujours manifestement effectivement, le cas. D'accord. Et après leur départ, nos services ont posé des pierres importantes pour éviter que l'accès puisse se faire. C'est ce que je crois. Enfin, je vais vérifier. Sur ce point-là, c'est ce qu'on fait habituellement. Elles n'y étaient pas ce matin. Bon, mais on essaye de faire en sorte que ces occupations ne puissent pas avoir lieu, mais reconnaissez que c'est donc parfois tout à fait difficile. Vous avez quand même prévu de faire ce qu'il faut pour qu'ils ne puissent plus avoir accès au terrain. Nous prenons un certain nombre de mesures, mais je ne peux pas tout garantir. Vous savez, on le voit bien sur la ville, mais sur les communes voisines, nous avons des occupations de ce type. Et je peux vous dire qu'il m'arrive même assez souvent, dans ces cas-là, d'aller rencontrer les gens du voyage pour leur indiquer les dispositions que nous allions prendre et les inciter, évidemment, à quitter ou à rejoindre un terrain des gens du voyage qui pourrait être disponible. Oui, mais là, il y a juste à mettre soit des barrières, soit des cailloux pour empêcher le passage. On va regarder ça, mais c'est... Ils ne reviendront pas. C'est ce que... Parce qu'il y a quand même eu un branchement dans un truc électrique, là. Ben oui, oui, oui. Ça, alors, c'est pas franchement très rassurant pour les gens, parce qu'en plus, il est au pied des maisons, hein. Donc si le truc il prend feu, c'est les 4-5 maisons qui sont à côté, là c'est bon. On est dedans. Tout ça est relevé par l'huissier que nous mandatons. Ouais. Et, non, mais je vous dis, hein, les choses ont été bien faites, c'est pas le souci. C'est plutôt qu'à chaque fois reprendre un huissier, un avocat, un machin, mettre 4-5 cailloux pour empêcher le passage, je ne pense pas que ça soit hors budget pour la mairie. On le fait, et puis nos services vont regarder s'il convient d'en rajouter pour effectivement empêcher. Donc là, il y a des choses qui sont déjà prévues. Oui, oui. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup à vous. Oui, madame. Bonjour, je suis madame Collin, sa femme. Ah. Bon, vous avez raison. On venait à deux. Centre commercial de la Forêterie. Il y a quelque temps, je vous avais demandé est-ce qu'on pouvait avoir un parc à vélo juste devant les commerces. Il n'y en a pas de centre commercial de la Forêterie. Non, il n'y en a toujours pas. Alors, c'était pour savoir si c'était en projet ou est-ce que vous avez eu quelque chose. Voilà. Parce que c'est vrai que mes clients et les clients de le boucher, le boulanger, il y a un petit peu... viennent souvent en vélo et c'est vrai que c'est pratique d'avoir ne serait-ce qu'un parking pour pouvoir mettre nos vélos et les verrouiller au cas où quand on va chez moi ou dans les autres magasins. Voilà. Je m'avançais un peu vite quand je vous disais tout à l'heure qu'il y en avait parce que j'étais persuadé d'en avoir vu. Je pense qu'il y en a eu quand même, mais ce n'est pas de la responsabilité de la ville. Ah, il se trouve que le terrain est une copropriété. Ouais. Et donc, c'est à cette copropriété qu'il faut s'adresser. Mais j'ai noté votre demande et puis je ferai le nécessaire pour les interroger. Parce que vous, sur les trottoirs, vous avez posé des pots de fleurs. Oui. On ne peut pas en mettre un au milieu de vos pots de fleurs. Comme disait un humoriste, ça dépend de la largeur du trottoir et de l'espace disponible. Mais normalement, ça passe. Si possible, peut passer, ne serait-ce que passer pour voir exactement ce que la ville peut faire, si la ville peut rien faire, qui nous oriente vers l'association ou le responsable. La copropriété. On passera, voir. D'accord. Regardez si on est en capacité, nous, sur l'espace public, de mettre ce parc vélo. Et si c'est difficile, on prendra contact avec la copropriété. Jean-Christian Boursier a déjà pris note. Dont Fougère Habitat fait partie. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que je regardais. Monsieur. Un intermédiaire supplémentaire. Je vous remercie. Oui. Oui, monsieur. Tu voulais ajouter ?
Oui, allez-y. Monsieur le maire, excusez-moi, j'ai pas l'habitude des micros d'assemblée. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus municipaux, je vous remercie de me donner la parole aussi. Voudrais-je en profiter pour vous poser une question ? Vous m'entendez bien ? Ça va ? Oui. Vous êtes un expert. Le récent rapprochement franco-britannique, imaginant une nouvelle entente cordiale, climatique, est-il possible, sur le même modèle, d'insuffler une nouvelle dynamique au comité de jumelage et d'échanger plus étroitement sur le thème de l'environnement avec nos villes partenaires ? Voilà, merci. Merci beaucoup. Bah, écoutez, manifestement, vous êtes attentif au jumelage que nous avons avec Ashford et puis Bad Münstereifel. Les cérémonies officielles ont eu lieu il y a une dizaine de jours. C'était le 15, 16, 17 et 18 septembre. Et le sujet qui a été abordé lors de ces rencontres et qui a fait l'objet de préparation de la part de jeunes du lycée Jean Guéhenno, d'un lycée d'Ashford et d'un autre de Bad Münstereifel, était relatif aux actions à mener pour lutter contre le réchauffement climatique, donc en plein sur l'écologie et le travail que nous devons tous faire pour réduire les gaz à effet de serre. Donc un travail tout à fait conséquent est réalisé dans ce cadre-là. Et je dirais que même l'année dernière, ce sujet-là avait été, sous une autre forme, abordé à Fougères, puisque nous recevions nos collègues des deux autres villes ici. Donc, vous êtes dans le vrai, comme on dit. Juste pour souligner la qualité des travaux qui a été fait par les jeunes. Oui. Je vous remercie. Donc, à comprendre, ça repose principalement dans le cadre scolaire. Vous citez le lycée Jean Guéhenno. Oui, non. Là, il y avait l'intervention des jeunes, spécifiquement. Mais nos délégations ont également abordé ces sujets-là. Et les visites qui ont été faites à Bad Münstereifel étaient consacrées aussi aux actions qui sont menées dans la ville. Et vous savez que Bad Münstereifel a été très sérieusement touché en 2021 par des très fortes inondations, si bien qu'on vivait à cette occasion une grande actualité. I thank you very much. Merci beaucoup. Je vous propose de reprendre notre réunion. Éric Besson qui aborde le sujet de l'opération programmée d'amélioration d'habitat. Voilà. Donc je vais vous parler de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain, ce que l'on appelle OPRU. Je voulais souligner que d'ailleurs Fougères Agglomération avait organisé dans ce cadre une balade urbaine qui était une grande réussite. Plusieurs maires, plusieurs élus étaient là et donc nous avons un petit peu échangé sur ce dispositif. Un des intérêts de ce dispositif, c'est de pouvoir mener un certain nombre de procédures très spécifiques qui amènent des subventions, on vous en parle un petit peu plus loin, de déficits qui prennent en compte le déficit de 40 à 70%. Ce qui est important de savoir, c'est, et c'est le cas aussi pour ces opérations qui sont menées, mais pour d'autres opérations, c'est que, un, nous maintenons toujours le dialogue avec les propriétaires, quand ils le veulent, ce qui est le cas dans la majorité des cas. Nous leur présentons ce qui a été souvent, et y compris dans ce que nous allons aborder, nous leur présentons des porteurs de projets, voilà, avec qui ils peuvent échanger, et bien sûr, nous les accompagnons et nous leur facilitons toutes les possibilités de susciter des subventions. Donc, nous avons repéré effectivement trois îlots qui, je vous laisserai découvrir, mais vous en doutez, l'intérêt est souvent à la fois commercial, logement et touristique. Donc il s'agit du 18 rue de la Peinterie, du 36-38 rue de la Peinterie et du 3 et 5 place Raoul II, de façon à pouvoir mener justement une de ces opérations spécifiques qu'on peut appeler RHI, TIR-RHI. En fait, ce sont des opérations pour la résorption de l'habitat insalubre.
Donc, en fait, ça se passe, si vous voulez, en plusieurs étapes. Et là, le but, c'est de mener au moins, d'engager deux étapes. La première, c'est de faire passer ces dossiers en commission. Voilà, une commission menée par l'ANA qui va regarder si ces dossiers sont éligibles. S'ils sont éligibles, il y a une deuxième étape, c'est une étude de calibrage. C'est-à-dire, en gros, ils regardent un petit peu les travaux qu'il y a à faire. Il y a des diagnostics qui sont faits, alors ça peut prendre un peu de temps, voir les coûts de l'opération. Jusque-là, il n'y a pas d'engagement de la ville. C'est-à-dire, la ville peut regarder avec Fougères Agglomération, bien sûr, si on va dans ces opérations ou on ne va pas. Ensuite, on peut effectivement mener la déclaration d'utilité publique et là, il y a un engagement. C'est-à-dire que si les propriétaires ne font pas les travaux, on doit se porter acquéreur. Voilà. Donc, je vous ai dit l'essentiel. Voilà. Donc, après avis de la commission, je crois qu'il est à l'unanimité. Voilà. Voici les trois sites que l'on vous propose de partager et de demander l'éligibilité du dispositif et le calibrage. Oui. Bien. Oui. Isabelle Biard. Alors, on est là effectivement sur l'opération d'amélioration de l'habitat qui est très avec des îlots qui sont très focalisés sur la rue de la Peinterie et le bas de la rue de la Peinterie, parce que le 3 et 5 place Raoul II, c'est, si je ne m'abuse, c'est juste ce qui est dans le bas. Voilà. J'en profite après pour vous demander. Après le pont, c'est place Raoul II. Hein. C'est place Raoul II, oui, d'accord. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ça, c'est très bien qu'on puisse intervenir sur ces îlots insalubres, et tant mieux si les choses peuvent avancer de ce côté-là. La question de la réhabilitation du quartier, elle est bien plus large que ça, et vous le savez, puisque vous avez entamé un chantier là-dessus. Moi, j'avais deux questions par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur l'état d'avancement du dossier rue de la Fourchette, hein, puisque c'est le serpent de mer, ce truc. Donc, j'imagine que depuis la dernière fois qu'on en a parlé, il y a sans doute des choses qui ont dû évoluer. Et voilà, est-ce qu'on a un peu de visibilité sur ce dossier-là et sur une échéance positive relativement rapide? Et la deuxième question, vous avez lancé en début d'année un comité de pilotage concernant la rue de la Peinterie. Ce comité de pilotage s'est réuni au mois de janvier et depuis, il n'y a pas rien eu de nouveau. Donc, est-ce que ce comité de pilotage a vocation à se réunir à nouveau? Quand et à quelle périodicité? Oui. Donc, rapidement sur la rue de la Fourchette. Aujourd'hui, la procédure est terminé dans le sens où la ville est propriétaire de l'ensemble, mais ça c'est une réalité, voilà. Et après on attend un recours possible, il existe encore un recours possible du propriétaire, voilà, mais on est en fin de procédure, elle est plutôt bien partie. Combien de temps le recours est possible? Comment? Pendant combien de temps le recours est possible? Excusez-moi, j'entends pas. Pendant combien de temps le recours est-il possible encore? Ah là, il y a encore recours, je crois, pendant 3 mois. Mais oui, voilà, c'est. Donc voilà, donc on arrive tout en fin de procédure. Sur la deuxième, sur l'étude rue de la Peinterie, effectivement, vous parliez du mois de janvier, nous avons redemandé un certain nombre de précisions au bureau d'études. Qui nous semblaient un petit peu incomplètes, notamment des études sur la circulation, sur le stationnement, qui sont quand même des sujets assez sensibles sur ce site. Voilà, mais l'étude continue, va repartir. Voilà, j'ai pas la date du prochain comité, je pourrais vous la donner après, mais là, je l'ai pas en mémoire. Mais il n'y a pas de souci sur l'étude, elle continue. Voilà. C'est pas un serpent de mer, hein, c'est un propriétaire qui utilise toutes les actions de droit qui le concernent. Et je ne vais pas remuer le couteau d'appel parce que j'ai l'historique de toute cette affaire. Et il y a beaucoup de monde qui a voté toutes les délibérations depuis 30 ans. Mais il y a des opérations qui... C'est la très grande majorité qui s'effectue correctement et puis d'autres qui connaissent des difficultés. Ça peut arriver. Mais vraiment, et là...
on a décidé de devenir propriétaire de cet ensemble. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a procédé à une vente, il y a eu des recours et il n'est pas exclu que durant ces 3 mois, il y en ait un autre à ce sujet. Et le droit de propriété est particulièrement protégé dans notre pays. Hein, et nous, ben, bien évidemment, on en tient compte. Je vous propose et juste de petites choses de rajouter que c'est une procédure quand même exemplaire qui, depuis 2014, en tout cas lorsque j'étais nommé adjoint à l'urbanisme, est menée plutôt rapidement. Nous avons d'ailleurs reçu régulièrement des collectivités qui venaient nous interroger sur la mise en place de cette procédure pour dire qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de très commun. Voilà. Et puis la deuxième, pour en revenir quand même au sujet, quand même, qui est celle de l'opération renouvellement urbain, vous auriez pu remarquer que, effectivement, notamment sur la rue de la Peinterie, il y a d'autres sites qui sont quand même assemblés bâtis qui ne sont pas cités. Donc puisque vous ne faites pas les remarques, je les fais pour vous dire justement que ça fait partie de ces procédures qui sont menées, enfin que nous n'avons même pas besoin de mener parce que nous avions mis en contact des promoteurs immobiliers avec les propriétaires et que les choses sont en train d'avancer. Voilà. Je vous propose d'adopter cette délibération importante. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Cession d'une partie de parcelle, Jocelyne de Sourcé. Oui, bonsoir. Oui, donc c'est une cession d'une parcelle à M. Morin Fabrice, chemin des Demoiselles. M. Morin est propriétaire de plusieurs parcelles situées chemin des Demoiselles. Il sollicite l'acquisition de la parcelle BD240 d'une superficie de 40 mètres carrés appartenant à la ville de Fougères. Et après avis de la commission, favorable de la commission, il est proposé au conseil municipal de valider la cession de cette partie de parcelle à M. Morin au prix de 1 euro le mètre carré hors taxes et droits, et d'autoriser Monsieur le maire à signer le compromis de vente et l'acte notarié qui seront rédigés par Maître Balse-Sandra. Merci. Il n'y a pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Cession d'une partie de la rue du Beauvallon, c'est... Oui. La rue du Beauvallon, c'est qui est... C'est pour moi aussi. C'est Catherine? Non, c'est juste non, c'est pour moi. Oui, oui, c'est cession d'une partie de la rue du Beauvallon à Monsieur et Madame Le Duc et à Monsieur et Madame Fourrier. Monsieur et Madame Le Duc ainsi que Monsieur et Madame Fourrier sont déjà propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées situées rue du Beauvallon et souhaitent acquérir pour Monsieur et Madame Le Duc une parcelle de 75 mètres carrés. Et pour Monsieur et Madame Fourrier, une parcelle de 40 mètres carrés, ce qui faciliterait l'accès à leur parcelle et favoriserait la gestion des eaux pluviales de la rue du Beauvallon. Après avis favorable de la commission, il est proposé au conseil municipal de valider la cession de ces parcelles au prix de 10 euros le mètre carré à Monsieur et Madame Le Duc et Monsieur et Madame Fourrier. Merci. Bon, pas de difficulté. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dispositif d'aide à la rénovation de logements vacants. Catherine Duchâtelet. Oui, dans le cadre des aides à la rénovation de logements vacants, il vous est proposé le versement d'une aide d'un montant de 8 249,68 € à Madame Daulieu. Merci. Pas de difficulté. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On continue avec... Jocelyne de Sensé sur le dispositif d'aide à la rénovation en site patrimonial remarquable. Oui, pour le versement des subventions pour travaux achevés. Donc la commission urbanisme a donné son accord de principe pour l'attribution de subventions propriétaires listées dans le tableau ci-joint. Et compte tenu de ces éléments, il vous est proposé d'autoriser le versement de ces subventions. Très bien. Je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, on passe à la convention de partenariat de prestation avec le médiateur ou la médiatrice de l'eau, Diana Lefeuvre. Donc la médiation de l'eau est un dispositif de médiation à la consommation qui permet de faciliter tous les règlements à l'amiable des litiges qui pourraient survenir de consommation à l'exécution du service public de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées.
Et donc, là, il est proposé une convention qui a pour objet d'établir les engagements réciproques de la médiation de l'eau et de la ville de Fougères pour permettre aux usagers du service de l'eau et assainissement de recourir, s'ils le souhaitent, au service de cette médiation et de préciser donc les conditions dans lesquelles les prestations sont rendues par le médiateur de l'eau. Et donc, en passant cette convention, le service de l'eau et d'assainissement de la ville, responsable et gestionnaire du service public de l'eau et de l'assainissement, aussi bien sur notre commune, mais aussi sur celle de Lécousse et de Saint-Georges-de-Reintembault pour l'assainissement, garantit ainsi à tout consommateur relevant du service la possibilité d'avoir un recours à un dispositif de règlement à l'amiable des litiges qui est prévu par le Code de la consommation. Et donc, la convention est conclue pour une durée indéterminée, et pour l'année 2023, elle se fait en fonction du nombre d'abonnés. Le montant de l'abonnement est donc positionné à 500 euros, et le barème de prestations rendues applicable pour chaque dossier traité est annexé au dossier. Et donc, après avis favorable de la commission et du bureau municipal, il est proposé d'approuver la convention de partenariat et de prestation du service avec la médiation de l'eau, d'autoriser le paiement annuel de la cotisation et d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention. Voilà. Bonne initiative. Je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vous continuez, Diana, Saint-Georges-de-Reintembault. Donc, effectivement, par convention de coopération avec la commune de Saint-Georges-de-Reintembault, nous avons la gestion et l'exploitation du service assainissement de la commune. Cette convention de coopération stipule que la ville est tenue de percevoir les droits et les redevances par le biais d'une convention de facturation entre la ville et le gestionnaire du réseau d'eau potable sur la commune. Depuis le 1er janvier 2023, le syndicat Eau de Pays de Fougères a confié cet entretien à la société STGS par le biais d'un marché public des services sur la commune de Saint-Georges-de-Reintembault, qui est adhérente au syndicat. Et la présente délibération a pour objet d'approuver la nouvelle convention du coût de facturation avec la société STGS afin de percevoir les redevances assainissement en même temps que celles de facture relative à l'eau potable. Et donc, au titre de la rémunération pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par la présente convention, la ville de Fougères versera à la société une redevance égale à 5 euros par usager et le montant estimé de la rémunération sera donc de 1 945 euros par an sur la base de 389 abonnés. Et au vu de ces éléments, il est proposé de valider la convention de perception de la redevance d'assainissement et d'autoriser M. le maire ou son adjoint à signer les documents nécessaires. Voilà, là aussi, une délibération est essentiel pour Saint-Georges-de-Reintembault. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On continue avec les réorganisations des voies desservant le quartier de l'annexe et dénomination d'une nouvelle rue. Jean-Christian Boursier. Oui, là, je vais vous en livrer une salve de quatre délibérations. Concernant le quartier de l'annexe qui sort de terre en ce moment, vous voyez les travaux avancent bien. Il y a d'un côté une réorganisation avec la suppression de la rue du Champ des Cartes qui interrompait un petit peu la rue Polytréo et la création de la voie qui dessert l'actuel parking des Aurières. Et nous vous proposons rue de la Cristallerie. Je ne vous imaginerai pas bien pourquoi. Voilà, nous vous demandons d'approuver cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On continue. Oui, nous passons au lotissement privé dit domaine de Fontaine-Lachaise, de l'Oden Promotion. Là, il y aura trois créations de rues. Vous savez que ces opérations-là font l'objet de rétrocessions dans le domaine public. Nous vous proposons la rue Rosa Parks, pour la figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. L'allée Madeleine Bresse, première femme médecin française. Et l'allée Hubertine Auclair, journaliste, écrivaine et militante féministe française. Difficulté, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. On continue. Toujours lotissement de Fontaine-Lachaise, SCIMGM, hein, deux créations de rues, avec pour proposition Lucie Aubrac, la célèbre résistante française, et Geneviève de Gaulle Antonioz, résistante française et militante des droits de l'homme. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. On continue. Cette fois-ci, on retourne à la Placardière qui évolue et grandit petit à petit avec deux nouvelles voies créées. La rue Florence Artaud, quant à elle, sera prolongée. Et nous vous proposons Françoise Sagan et Marguerite Duras. Voilà. Et si je peux juste me permettre, quand on regarde ce dernier plan, là, il n'est pas tard, on peut échanger dessus, mais vous voyez ce qu'on arrive à faire maintenant sur une emprise, sur une parcelle de cette taille-là, le nombre de terrains. Il a souvent été reproché à d'anciens élus, notamment à l'urbanisme,
avant bien sûr M. Besson, qui ne reproche plus rien, mais simplement de ne pas avoir construit plus à Fougères et cédé à la demande de pavillons à une époque où la surface moyenne devait quand même être à 700 mètres carrés. Au moins. C'est le ZAN avant l'heure. J'ai bien dit au moins, parce que vous savez bien que j'exagère jamais, monsieur le maire. Donc, simplement, effectivement, la densification, elle avait été envisagée. Et donc, je voulais rendre un petit hommage aussi à l'actuel, bien sûr, et à monsieur Dussault, qui aura beaucoup fait pour ça. Oui. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Réaménagement. Hein? Des espaces extérieurs du courant des urbanistes, Diana. Donc, Fougères Agglomération procède à l'opération de réhabilitation des locaux qu'elle gère au niveau du bâtiment des urbanistes avec la réalisation de l'extension pour offrir les locaux adaptés et améliorer les performances énergétiques. À cette fin, d'ailleurs, Fougères Agglomération va acquérir auprès de la ville l'emprise foncière devant supporter la future extension. Et par ailleurs, donc, ce projet d'extension implique de mettre en cohérence l'ensemble des espaces extérieurs qui sont autour du site et qui relève de la propriété de la ville de Fougères et de sa compétence. Il est paru aux parties que les aménagements de ces espaces publics devaient plutôt être conduits par la maîtrise d'ouvrage unique afin que ça reste cohérent sur le projet, en particulier de l'accessibilité, mais aussi tout ce qui était défense incendie, donc qui est un seul projet, et la coordination des travaux et de la temporalité entre la réalisation de l'extension et des espaces extérieurs. Et donc, les parties se sont rapprochées afin d'organiser un transfert de maîtrise d'ouvrage de la ville de Fougères au profit de Fougères Agglomération pour la réalisation de ces espaces extérieurs du couvent des urbanistes. Et donc, nous vous proposons cette convention qui permet un transfert de maîtrise d'ouvrage public en vue de la réalisation du programme et qui est défini et qui est un transfert temporaire sur le temps des travaux. Et donc, ils considèrent donc, dans ce programme de travaux, on a aussi bien l'accessibilité, le réaménagement des espaces de stationnement existants, mais aussi la création d'espaces de stationnement public supplémentaires pour les besoins du permis. Tout ce qui relève de l'accessibilité du site, donc pour la défense incendie, une reprise des revêtements et des circulations qui desservent tous les espaces publics, les allées, les voiries. Mais aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est la notion de gestion intégrée des eaux pluviales par infiltration, avec des espaces imperméabilisants existants et à créer, et la réfection et l'adaptation du réseau et du mobilier d'éclairage public, et enfin le traitement des espaces paysagers pour accompagner le bâti et les voiries avec des plantations d'arbres et de vivaces. Et donc, vous avez le tableau, le coût de l'objectif de l'opération est de 1 084 430 euros hors taxes, qui est réparti, comme vous le voyez, sur le tableau. Et donc, Fougères Agglomération exercera la maîtrise d'ouvrage de ce projet jusqu'à sa parfaite exécution. Mais tout au long du projet, la ville sera étroitement associée au déroulement tout le long des études et des travaux. Les travaux engagés à l'issue des études s'échelonneront sans doute sur la totalité du projet, donc au moins pour 3 ans. Donc, au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable des membres de la Commission Transition écologique, énergétique et travaux, de valider les termes de la convention de transfert et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette convention. Oui, Madame Bia. Oui, bien entendu, il n'y a pas de souci pour le transfert de la maîtrise d'œuvre à Fougères Agglomération. C'est effectivement beaucoup plus pratique que ce soit le même maître d'œuvre pour les bâtiments et pour les abords. Je voulais revenir quand même sur l'aménagement autour qui avait été évoqué en commission travaux. Et quand même, c'est une circulation autour des urbanistes qui est quand même extrêmement complexe, qui va être mise en œuvre. Et je me demande si les choix d'aménagement, alors il n'y en a peut-être pas d'autres, vous allez me dire, mais je me demande si les choix d'aménagement ont vraiment été les bons. Parce que je pense que les gens vont avoir beaucoup de mal à circuler, qu'il risque d'y avoir un peu des cul-de-sac, et que ça ne va pas être simple, cette histoire. Et je regrette, je l'avais déjà évoqué, mais je regrette qu'il n'y ait pas d'accès direct à la rue Alfred de Musset qui soit rendu possible, parce que je pense que ça aurait contribué à régler au moins une partie du problème. C'est la sortie, c'était ça qu'on avait évoqué. Oui, c'est la sortie. Et c'est la sortie.
Mais après, sur les autres, il y a eu plusieurs éléments qui avaient été mis pendant la commission qui ont été réintégrés sur les échanges qui pourront être adaptés. Sur ce qui est de la circulation, je pense qu'on l'a évoqué aussi en commission, il y a toute la notion avec le plan de déplacement qui va être fait et qui réinterrogera aussi la manière de circuler, puisqu'effectivement, il faut qu'au sein de la ville, on arrive à trouver un système qui nous permet à chacun de nous déplacer de manière correcte. Voilà. Mais on essaiera effectivement au mieux de voir avec les contraintes du site qui ne sont pas forcément évidentes, puisque pour l'avoir vu, effectivement, vous l'avez vu, toute la complexité pour la défense incendie sur ce site-là est particulièrement complexe. Il y a un certain nombre d'observations qui ont été faites par la commission et que je comprends parfaitement et dont il convient de tenir compte. Du reste, nous avons eu l'occasion de les évoquer. Qui, j'espère, auront, c'est pas ça la vraie raison, mais des effets sur le coût lui-même qui est annoncé de 1 million d'euros, parce que j'ai vu un certain nombre de murs qui étaient particulièrement hauts et oui, dont l'aspect esthétique me paraît pas être le justifié. Voilà. Oui, on l'a tous évoqué. Vous l'avez tous évoqué, oui, oui, mais oui, on va le regarder ça profondément dans le détail, ça me paraît important. Alors, le président de Fougères Agglomération a décidé de poser la première pierre le jeudi prochain. Il faut que tout le monde comprenne bien que Fougères Agglomération est ce qu'on appelle quasi-propriétaire de la partie dans laquelle se trouve le conservatoire de musique, l'école d'art plastique et la galerie Bourgeois. Et la ville est restée propriétaire de la chapelle et des salles qui se trouvent dans l'aile ouest. Voilà. Donc, cette opération de transfert a eu lieu en 2003, et comme le prévoient les textes et à ce sujet, eh bien, c'est à la communauté d'assurer les travaux. Nous avons vendu le terrain pour permettre l'extension. Elle est propriétaire de ce terrain-là, et nous conservons la propriété des espaces qui se trouvent autour, ce qui est normal parce qu'ils seront, d'abord ils sont propriétés de la ville et ils seront utilisés par l'ensemble de nos concitoyens. Voilà. C'est un gros projet et un beau projet qui est mené là et qui permet de garantir la suite de ces activités. Je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vous avez ensuite les décisions au titre de l'article L2122-22. Et puis, une délibération que l'on vous met également, la liste des marchés ou accords cadres qui ont été signés à la suite des décisions du Conseil municipal. Pas d'observation sur ce point-là. Bien, il nous reste deux questions orales. La première question a été posée par le groupe dit des 20 000 maires pour Fougères. Et donc, je crois que c'est Madame Lafaye qui présente la question. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, contrairement à ce que l'actualité semble laisser paraître, la question que nous vous soumettons ce soir est éminemment locale et occupe nos esprits depuis plusieurs mois, notamment durant toute la période estivale. Il est faux de dire qu'il y a une crise migratoire en France. Nous vivons surtout une crise de l'accueil des personnes. Les expérimentations locales le montrent. Quand l'accueil des personnes exilées est organisé et coordonné, les choses se passent bien et de belles histoires humaines s'écrivent. Les Fougerais et les Fougeresses doivent savoir que dans notre ville, des familles sont à la rue et sont hébergées au mieux chez des personnes humanistes, au pire dans leur voiture. L'été a été particulièrement difficile et l'hiver s'annonce pire que le précédent. Fougères n'est pas dans une bulle et il s'agit pour nous d'être à la hauteur des enjeux de demain. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a noté le 6 décembre dernier que les déplacements forcés atteignent des niveaux records à l'échelle mondiale, touchant 110 millions de personnes dont les droits d'asile sont menacés dans de nombreuses régions du monde du fait de politiques de plus en plus restrictives et de la diminution des possibilités de réinstallation et des solutions à long terme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
à la tribune des Nations Unies, appelle à agir en commun dans un devoir d'humanité. Il n'est pas entendable de fermer les yeux. Nous savons que cette responsabilité incombe à l'État, mais que faire quand le 115 ne répond plus ? Notre devoir d'humaniste est d'accueillir et d'accompagner ces personnes sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Vous avez ce mois-ci annoncé, au-delà des prérogatives qui sont les vôtres, à propos des maisons de santé. Aller au-delà, pardon. C'est une bonne chose. Pourquoi ne pas faire de même quand des femmes, des hommes et des enfants scolarisés dans nos écoles sont brinque-ballés d'hôtel en hôtel sans savoir où ils dormiront le lendemain ? Les associations de solidarité du territoire s'épuisent à trouver des solutions au jour le jour. Vous avez choisi cette année de vendre le bâtiment de la rue Porte-Saint-Léonard un petit peu plus bas, alors même que des appartements auraient pu servir d'hébergement d'urgence. Nous l'avions dit, nous n'aurions pas fait ce choix. Nos questions, nos remarques sont donc les suivantes. En toute intelligence et en dépassant les clivages politiques, nous réitérons nos demandes, notamment que la ville de Fougères adhère à l'association Envita, Association nationale des villes et territoires accueillants. En 2021, la proposition d'adhésion que nous avions faite avait été rejetée. C'est aujourd'hui une association force de proposition et de coordination qui compte comme adhérent de grandes métropoles comme Strasbourg ou Bordeaux, mais aussi des régions. Dans le département, c'est quand même 22 communes, dont une commune voisine, Quelouvigné-du-Désert, qui sont adhérentes. Nous demandons de faire un état des lieux des logements vacants appartenant à la ville afin de les proposer aux associations présentes sur le territoire pour l'hébergement d'urgence, en établissant des conventions d'utilisation de ces locaux, évidemment. Nous demandons enfin que le conseil municipal réaffirme fermement auprès des services de l'État son devoir moral et ses obligations légales d'assurer l'accueil et l'hébergement des personnes exilées sur le territoire français. Les frontières ne sont pas et ne seront jamais des murs infranchissables, quoi qu'on fasse. Plutôt que de vivre retranché, aveugle aux souffrances du monde, comme le proposent certains, il est de notre responsabilité d'agir à notre échelle dans ce contexte de changement global, à la fois climatique, mais aussi géopolitique. Merci. Merci, je vais vous apporter notre réponse. Je tiens d'abord à rappeler que j'ai déjà eu l'occasion de vous répondre en septembre 2021 sur ces sujets, notamment à propos de votre demande d'adhésion de la ville à l'Envita. Contrairement à ce que vous sous-entendez, Fougères est une ville solidaire et humaniste et nous en sommes fiers. Nous portons depuis toujours cette éthique de solidarité et ces valeurs d'entraide en agissant de façon concrète. Nous prenons ainsi notre part en soutenant financièrement beaucoup d'associations locales à but humanitaire et d'aide aux plus fragiles, parmi lesquels se trouvent, et vous le savez, des demandeurs d'asile et des personnes migrantes. Ce sont des sommes importantes, entre 100 000 et 120 000 euros que la ville verse chaque année à ces associations, auxquelles doivent être ajoutées les interventions de solidarité et d'entraide développées par notre Centre communal d'action sociale. Nous soutenons également des programmes de solidarité et d'action humanitaire au niveau international. Ce sont ainsi plus de 60 000 euros que nous consacrerons à ce titre en 2023. Contrairement à ce que vous dites ce soir, nous ne fermons pas les yeux. Mais nous sommes engagés et responsables. C'est important, la responsabilité, sur des sujets aussi importants que complexes. La question des migrations et des réfugiés relève bien de l'État au niveau national, comme vous l'indiquez. Elle relève aussi des États au travers des politiques et des traités européens, ainsi que d'accords internationaux. Ceci étant posé, vous nous demandez à nouveau que Fougères adhère à l'Envita. Nous n'avons pas prévu d'adhérer à cette association, comme bien d'autres collectivités d'ailleurs. La position de notre majorité n'a pas changé pour des raisons que je vous indiquais il y a 2 ans. Nous ne partageons pas l'accueil inconditionnel qui est prôné par cette association. Le second point de votre intervention, vous l'abordiez aussi déjà dans votre question orale de septembre 2021, et notre réponse est la même. Des réponses en matière de logement d'urgence et d'accueil des personnes en demande d'asile existent sur notre ville. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile, c'est-à-dire un CADA de 75 places, des hébergements d'urgence et des accueils en hôtel via le 115, auxquels s'ajoutent les interventions des associations de solidarité que j'ai citées précédemment. Vous estimez que ce n'est pas suffisant. Comme vous le constatez, la ville prend sa part et nous demandons que l'effort de solidarité soit équitablement réparti entre tous les territoires de Bretagne afin que les personnes puissent être hébergées dans des conditions dignes.
De plus, comme vous l'écrivez, il appartient à l'État, qui dispose de la compétence dans ce domaine de l'accueil et de l'hébergement d'urgence, de mener les actions les plus pertinentes et de mobiliser les moyens nécessaires à cet enjeu de solidarité nationale et européenne. Madame Biard, vous avez posé une question. Oui, merci, monsieur le maire. Lors de l'élaboration du projet de Rocade Est, la ville de Fougères avait pris l'engagement de construire une route pénétrante destinée à compenser la fermeture de l'ancienne route de la Chapelle-Janson qui avait été coupée en deux par la rocade. À plusieurs reprises depuis l'inauguration de cette rocade Est, la question de la date de la réalisation de la route d'accès a été posée. Et au milieu de votre mandat précédent, j'ai plus la date exacte, mais je pense que c'est vers 2017-2018, nous vous avions déjà interpellé avec notre opposition de l'époque à ce sujet, et vous aviez répondu que le mandat n'était pas terminé et que les choses se feraient plus tard. Voilà. En tout cas, le sens de votre réponse était de dire que ça se fera dans le mandat. Nous apprenons aujourd'hui, donc on est au mandat d'après, que vous ne prévoyez finalement cette réalisation que fin 2026 au plus tôt. Et donc, c'est même pas ce mandat-ci, sauf modification légale, mais le mandat d'après. Le mandat suivant soit plus de 10, 12 ou 14 ans après votre engagement. Je n'ai plus la date exacte de votre engagement initial. Allez-y. Ça doit être, à mon avis, ça doit être autour de 2014. Nous vous rappelons que cette route est attendue par beaucoup de personnes, notamment des habitants de Fougères et de la Chapelle-Janson. Et nous souhaiterions savoir, connaître les raisons de ce retard et les raisons qui vous ont conduit à prioriser d'autres projets, pour certains moins attendus par les habitants. Je vais vous répondre. Vous souhaitez d'abord connaître les raisons qui conduiraient à décaler dans le temps la réalisation de la voie de liaison dite pénétrante entre le boulevard de Groslay et la Rocade Est. Et vous souhaitez connaître les raisons de nos priorités quant à certains projets qui seraient, selon vous, moins attendus par les habitants. Concernant le projet de Rocade Est, je vous rappelle tout l'engagement qui a été le mien en tant que vice-président du conseil départemental, notamment pour les raisons suivantes. Il s'agissait de raccorder favorablement les communes situées à l'est de Fougères à la RN12 et à l'autoroute des Estuaires, de desservir la zone de Paron dans le but de faciliter l'accès à différents équipements, piscines, IME, EHPAD, et dans l'avenir, la construction de logements. Il s'agissait aussi de réduire le trafic routier boulevard de Groslay pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et effectuer des aménagements cyclables. Qu'ai-je indiqué à ce sujet devant vous lors de la présentation du budget primitif 2023 au Conseil municipal de mars dernier. Vous me pardonnerez de me citer, et je dis précisément ce que j'ai dit, « Quant à la liaison Rocade Est, boulevard de Groslay, nous engagerons les travaux fin 2025. Notre position sur ce point n'a pas varié et est cohérente avec l'autorisation qui nous est donnée dans le cadre de la déclaration d'utilité publique. S'il y a eu une confusion, et peut-être j'en suis un petit peu responsable, en évoquant fin 2026 au lieu de fin 2025, vous commettez, quant à vous, Madame Biard, une erreur en faisant remonter notre engagement municipal sur ce projet de pénétrante à plus de 10 ans. Je rappelle que l'inauguration de la Rocade Est a eu lieu en mai 2017, que l'étude de maîtrise d'œuvre relative à cette pénétrante n'a commencé qu'en décembre 2019. Donc, il y a un peu moins de 4 ans, mais passons. Ce n'est pas 10 ans. Et je pourrais même ajouter une précision supplémentaire, parce qu'il faut toujours avoir de bonnes références. Dans notre feuille de route, notre projet municipal 2014-2020, il n'en était pas question. Donc, comme vous l'avez souligné, c'est bien à la fin du mandat de 2014-2020 que nous avons lancé les choses, et je viens d'en donner la traduction. Vous semblez aussi ignorer le temps nécessaire à de tels projets, comme à bien d'autres. Ils obéissent à des processus d'élaboration conséquents et souvent complexes, faits de suggestions techniques et réglementaires, parfois évolutives, avant d'aboutir à la phase de réalisation.
Vous semblez surtout ignorer le contexte dans lequel peuvent s'inscrire de tels projets d'infrastructure ou d'équipement qui, selon les cas, peut amener à décaler ou reporter certains investissements. Sans parler de la pandémie de Covid, qui, il y a 2 ans encore, prédisait le retour de la guerre en Europe avec les conséquences que vous connaissez. Une augmentation de 150% des prix de l'électricité et du gaz. Une forte inflation, ou bien encore l'envolée, en quelques mois seulement, des taux d'intérêt des emprunts que nous avons à souscrire pour porter nos investissements. Puisque vous me le demandez, ce sont bien là les raisons qui nous ont obligés et nous obligent à ajuster le calendrier d'études ou de réalisation de certains de nos projets au regard de nos moyens financiers. Cela s'appelle tout simplement la responsabilité. Faire, dans ce contexte incertain à bien des égards, des choix d'investissement en rapport avec les besoins et les ambitions que nous portons pour notre ville et nos concitoyens. Votre groupe d'opposition peut ne pas les partager, mais je vous le dis, tous nos projets contribuent assurément au renforcement de l'attractivité et de la collectivité et de la qualité de vie des habitants de notre territoire, à son développement économique et associatif, ainsi qu'à son engagement dans la nécessaire transition environnementale et écologique. Voilà le point que je voulais vous apporter. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Prochaine réunion, c'est le 9 novembre, me semble-t-il, à 20h. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.